Bon, ça fait vraiment rendu là, mais vraiment, faut que j'écoute ça, j'exagère, ça regarde. Bon, c'est pas tout pour bon. Les amis, hier, nous avions un concert, comme peut-être j'ai déjà mis la vidéo, parce que vous voyez cette vidéo. Mais hier, là, aïe, donc je ne sais pas, vous connaissez la musique de Kirk Franklin, mon number one, patientez un peu. Qui dit que oui. Some people say I'm crazy, but I can't explain the power that I feel when I call your name. C'est exactement ça. Lorsque je me sens dans la présence, vous savez. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. On sait que Dieu est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est en nous et tout ça. Mais je veux dire, il y a une atmosphère là dont tu peux sentir ça. C'est un peu comme un liquide quoi. Dans cette atmosphère là, c'est comme si je suis une autre personne. La fille qui peut être souvent calme et tout. Bon, c'est vrai que c'est pas calme. Je deviens une autre personne. Et puis, je peux aller dans tous les sens, secouer, faire un tas de trucs. Tu vois. Et là, ça me dépasse. En fait, pour moi, le regard d'autrui ne m'importe pas du tout. Nothing. C'est que, non, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. C'est moi, vous me voyez dans ce moment-là que vous pouvez comprendre ce que je dis. Ça ne m'importe pas. Je peux me laisser aller au sol même, me coucher au sol, m'agenouiller, crier. Like, j'ai pas peur. Je comprends très bien le roi David. Lorsqu'il se faisait des trucs peut-être pareils. Et puis sa femme a dit que c'est quoi qu'un roi fait comme ça. Donc moi j'ai du. Je ne sais pas si c'est du mal. Je comprends très bien les gens. Bon, je comprends vraiment les gens qui ont de la retenue déjà. Bah, je suis bien habillé. Je suis cintré. Il ne faut pas que ça lisse mon blanc ici, mon frère. Je sais quoi, on aime tous Dieu, mais bon, il ne faut pas quand même me faire jaser, c'est trop. C'est un problème, moi ça ne me concerne pas, oh, ça ne m'a jamais concerné, ça ne va jamais me concerner. Pourquoi? Mes amis, moi je sais au fond de moi qu'il n'y a que Dieu pour faire tout ce que j'expérimente au quotidien, comme grâce, comme bonté. Je vous expliquais encore la dernière fois comment lorsque je rentre là, et puis le Seigneur me rappelle que papa, tu ne t'es pas protégé aujourd'hui là. Tu ne t'aimes pas protégé. C'est pas toi qui t'es gardé. Je vais dire. Moi, j'ai assuré ta protection. La moindre des choses, quand tu rentres chez toi, d'ailleurs même que chez toi n'est pas safe si moi je ne suis pas là. Tu vois, chez toi n'est pas un abri sûr. Moi, je suis ton seul abri sûr. Fais gaffe, ma petite fille. Je demande que papa, oh, I'm sorry. Donc, mais je ne sais pas comment les gens font. Souvent, il faut faire les vidéos aussi. Moi, j'ai mal à main. Donc, les gars. Ne laisse pas intimider. Si toi tu veux, je vais dire, si toi tu veux danser, danse. Pour moi, je fais même pas d'abord. Pour moi, d'abord, je fais même pas d'abord en public. D'ailleurs, ce que je fais pas en privé. C'est pas comme si c'était une compétition, mais tu veux montrer aux gens que tu adores Dieu plus ou bien quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y a tout dans la mindset. Moi, c'est sans honte. Je peux être la seule. Je me lève là. Parce que je sais ce que Dieu fait pour mon quotidien. Je sais. Hein? On ne prend pas la grâce de Dieu à la légère. Chacun a sa manière de fonctionner. Je sais. Mais je vais dire quoi. Je ne sens pas constipé. Je ne sens pas étouffé. Si tu veux exploser, papa, explose. Hallelujah.